Alors, nous voici pour la 11e vidéo de Dark Souls 3. Dans la dernière vidéo, dans les dernières vidéos, nous avions affronté Sullivan, puis nous avions visité les parties supérieures du sanctuaire de Lichfeu, notamment là derrière le trône quand on avait récupéré l'anneau comboiteux de serpent, ici en passant là, sur le plafond et les poutres. Et maintenant, nous allons donc découvrir une nouvelle zone, à savoir les donjons d'Iritier. Donc, il faut partir d'ici, aller au feu du manoir lointain et accéder donc à une nouvelle zone que l'on n'a pas encore visitée. Alors, on descend les escaliers, on va tomber donc sur des ennemis qu'on a déjà rencontrés ici. Là, attention. Voilà. En bas, un chevalier en armure. Ici, on a un qui tire des sortilèges à éviter. Attention à lui. Là, on récupère un grand fragment de titanite. Et on peut du coup quitter la zone. Et nous allons arriver dans la nouvelle zone que je viens de mentionner. Alors, je descends les escaliers. Et on découvre un nouveau feu et la nouvelle zone. Ici, la porte donc ne s'ouvre pas. Ce sera un raccourci plus tard. Ici, nous avons des geôles. T'es obligé de gueuler comme ça, toi? Ici, donc je vous conseille de visiter le maximum de geôles. Ici, des fragments de titanite. Ici, c'est verrouillé. Alors là, nous allons rencontrer un nouveau type d'ennemi que je vous conseille d'éliminer rapidement parce que la fumée qu'il libère va faire descendre vos points de vie et ce de façon drastique. Attention à lui, je me suis fait surprendre. Là, je suis donc tombé au rez-de-chaussée. Ici, on retrouve les ennemis avec le saignement. Donc on retrouve les sangsues qu'on avait déjà rencontrées plus tôt dans le jeu. Ici. Ici, une nouvelle armure. Ici, du coup, je suis en dégâts d'hémorragie. J'avais pas vu la jauge qui se remplissait en bas, j'ai vu au dernier moment. Allez, c'est pas grave. On va donc reprendre la progression. Ici, on va essayer de pas se faire surprendre, voilà.
Donc attention à chaque cellule. Voilà, essayez de les tuer si possible à travers, comme ça. Attention, regardez. Votre barre de vie qui descend. Voilà. Et après, ils essayent de vous attraper et là, ils vous tuent. La barre de vie, elle réaugmente. Le seul problème, c'est que vos points de vie, eux, ne réaugmentent pas. Donc c'est qu'une question de temps hein, pour que la barre se re-remplisse à nouveau. Mais attention, quand vous êtes du coup sous cet effet-là, si on a une porte qui est fermée, là si je descends, je retourne à la zone à laquelle je suis mort, on voit que ça, ce sont des ennemis, puisque comparé à celui-ci, celui-ci apparaît en grisé, celui-ci apparaît en blanc. Et si vous les ciblez, vous voyez qu'on en a 5, plus 1 tout là-bas. Donc. À la limite, vous avancez. Ah. Ce que je voulais vous montrer, c'est vous avancez. Vous les laissez attaquer et dès qu'ils ont fini, vous tapez. Voilà, si vous voulez pas vous faire trop toucher. Là, pareil, c'est verrouillé. Ici, on va retrouver notre ami. Voilà, quand on sait qu'il est là, on ne sait plus avoir hein, au bout d'un moment. Ici, pareil, c'est verrouillé. Là, on avait donc visité déjà toutes les zones. On va pouvoir remonter et passer le pont sur lequel il y avait l'ennemi qu'on a éliminé. Par ici. Et par là. Qui c'est qui crie? Alors là, on peut pas ouvrir. Et ici, on a un espace. Mais qui c'est qui queen? Et on va pouvoir avancer. Là, on peut du coup ouvrir la porte. Donc, il ne s'ouvre que par là. Pour pouvoir donc éviter de se rebraquer là toute la zone. Ici, je vais récupérer la clé de l'évadé qui va nous permettre notamment d'ouvrir des portes à l'intérieur du donjon. Alors, je continue de visiter la zone. Ici, j'arrive dans une zone. Alors, attention parce qu'il y en a un autre, voire même deux autres. Voilà, donc là on va attendre un peu que la vie revienne, tout ça pour donc pour éviter de mourir. Voilà, on se soigne, là un nouvel ennemi. Il
Non. C'est un peu un labyrinthe ce niveau, mais il faut juste savoir se repérer, c'est tout. Là, ici, attention à lui. Voilà, là. Bon, c'est pas grave pour le scarabée, j'ai juste évité de mourir. Voilà. Là, on en a un autre ici. Alors ici attention à cet ennemi, là vous avez un autre qui vous tire des carreaux d'arbalète. Voilà, on esquive et on le tue. Alors ici en bas on voit une nouvelle zone en contrebas, c'est là où on va devoir aller pour notamment affronter Yorm, un des seigneurs des cendres, qui est dans le grand bâtiment là que vous voyez, là où il y a la flamme devant. Voilà, donc ça sera notre prochain objectif. Et ici, dans cette zone, là où on voit le genre de pseudo-tour en ruine, on aura un feu sur lequel on va pouvoir du coup se reposer. Alors ça, faites attention, celui-ci, c'est un mimique. Alors je vous conseille de prendre du recul, de tourner autour. Voilà, quand il essaie de vous attraper comme ça, attention. Allez, adieu. Et on récupère un nouveau fragment d'astuce. Ici, on va avoir donc plusieurs ennemis qui vont arriver. Voilà, vous voyez, il y en a un, deux, trois. Et... Oula, sacré dégâts. Le marteau, il a pas fait du bien, hein? Calme-toi. Allez, parfait. Ici, on a... Voilà, quand je vous ai dit un sacré nombre d'ennemis, c'était pas pour plaisanter. Alors, à éliminer en priorité, voilà, ceux... Voilà, on esquive. Ici. On esquive derrière. On se protège. Et on va aller tuer le dernier là-bas. Donc ici, je ne vous conseille pas de tomber. Et je vous conseille plutôt de passer par ici, où il y a l'échelle. Voilà, on se laisse glisser. Par là. Ici, on va tomber dans une zone donc avec un géant. Malheureusement, il va falloir le réveiller. Parce qu'il nous empêche de passer. Attention à votre barre de vie. Ouf. Sacré dégâts le géant. Ici, on court. On rentre ici. Attention au rat. Voilà. Ici, on va récupérer donc l'objet qu'on a laissé tomber. Alors en bas, on va avoir normalement la maman rat. Ici, on récupère un objet. Et
Alors, attendez. Là, là. Ici, nous avons deux coffres. Un est un mimique et l'autre est un objet. Donc, pour éviter une mauvaise surprise, voilà, je vous conseille de taper. Voilà, attention à ces mouvements. Voilà, notamment quand il se retourne. Vous avez vu, hein? Voilà, là, il a essayé de vous. Voilà, et vous le tuez quand vous le sentez. On récupère une nouvelle bague. Et la clé de la vieille cellule. Voilà, et c'est là, attention, avec ces ennemis-là qui peuvent du coup vous maudire. Attention aux dégâts de malédiction. Restez, ne restez pas au milieu. Alors attention à ces ennemis parce qu'ils sont. Voilà, quand vous voyez votre barre là, qui augmente de façon très rapide, je vous conseille de prendre du recul. Voilà. Prenez du recul. Voilà, et en haut, on va les laisser tranquilles. Allez, ils vont discuter entre eux et nous, on va continuer. Hein. Ici, voilà, attention aux rats. Voilà. Ah, punaise, j'avais plus de. J'avais plus de fiole, j'avais pas vu. Alors, pour gagner du temps, la clé que vous avez récupérée vous permet d'ouvrir cette cellule. Et là, vous pouvez directement, donc, vous retrouver directement en bas, sans devoir vous rebraquer toute la première zone. C'est un raccourci, hein. Ici, on arrive là. Là, on a toutes les ennemis. Ici, on se laisse tomber. Ici, le géant. Ça commence comme ça peut le faire. Hein. J'ai évité. Allez, on y croit. Ah mais c'est une blague, hein.
Aïe. Allez, chante-toi vite. Ce coup est horrible, hein. Je supporte pas les géants. Allez, petit moment difficile à passer. Allez, on y croit. On va y arriver. Arrête au bout d'un moment. Ah, c'est bon quoi. Ah, au bout d'un moment c'est lourd aussi. Toujours pareil en plus, genre des gros dégâts immenses, faut arrêter. Un mec on dirait il est là juste pour te casser les... Mec, c'est Gandalf dans Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Ah, c'est sûr que je passe plus là. Je passe une fois. Merci cadeau. Allez, on y retourne. Ah, j'en peux plus. Déjà, ça commence comme ça. Allez. Allez, on va se prendre 800 potions. Parce que de toute façon, il n'y a que ça à foutre. Hein. Ah, voilà. Miracle, cours! Vite! Voilà, et c'est là où on va mourir pas les trois rats à la con. Allez, encore le mur, comme d'habitude, pour pas changer. Allez, lui c'est Maître Splinter et Tortue Ninja. Alors ici, les rats qui nous ont tués tout à l'heure, ce que je peux vous conseiller, c'est de les tuer. D'accord? Caméra. Voilà. Dans le couloir. C'est plus simple. Sauf si la caméra, elle en fait qu'à... elle. Voilà. À pouvoir avancer. Après 2 heures à essayer de passer. Alors ici on a une zone donc avec pas mal de pareil genre de sorciers, on peut appeler ça là. Ici nous avons donc un objet à récupérer et ici, donc, lorsqu'on aura récupéré un emote,
donc une action, un mouvement à réaliser, on va pouvoir du coup prier et donc ça va nous débloquer au bout d'un moment l'accès vers une zone optionnelle où on pourra donc affronter deux boss, notamment la Wyvre ancienne et le roi sans nom. Voilà. Un des boss les plus stylés de Dark Souls 3 en termes de chara-design. Ici, on a un objet à récupérer, la lame de foudre. Là, on se laisse tomber, on récupère le levier. Voilà, parce que évitez de tomber dans le trou si vous voulez pas mourir, vous rebraquez à nouveau le troll. Ce serait idiot. On va se soigner, on sait jamais. Au cas où que j'ai une surprise. Et on va pouvoir donc retourner dans les donjons. Donc cette zone, c'est un raccourci donc pour retourner au donjon. C'est-à-dire si vous mourrez et que vous donc redémarrez au niveau du feu, il ne restera plus donc qu'à revenir ici pour pouvoir retourner directement donc tout en bas des donjons d'Irithyll. Voilà, sans devoir se refaire le troll et tout ça notamment. Amen. Et on va pouvoir donc continuer la progression. Ici, donc on va redescendre par là. Alors moi, cette zone, vu le nombre d'ennemis, généralement, j'essaie plus ou moins de la skipper. Ici, vous avez les ennemis qui crient là. Ah, connaissez pas ça, t'as. Ah. Eh, vous êtes nombreux, les amis. Attendez à deux ou trois, mais. Ici, on va faire le tour. Là, on va récupérer une braise. Alors attention à ce qui ne vous attrape pas. Alors on va préparer directement la fiole d'astuce. Ici, par là, on roule. Alors, je préfère retourner ici, voilà, quand j'aurai un peu plus, que j'aurai un peu plus de vie. Ici, on a un autre objet à récupérer. Et on voit ici un ennemi. Donc, en haut, donc là, juste là, qui va venir, donc une fois que vous allez prendre le pont, cet ennemi, voilà, va venir plus ou moins genre vous en empêcher. Donc moi, ce que je fais, je passe dessous, pas que je veux pas l'affronter, mais c'est juste que voilà, juste après, dans cette zone là, en montant l'échelle, vous allez récupérer un nouveau feu et au moins ça me permet de save la progression. Voilà, vous avez un feu ici, ça vous permet de vous soigner et de save la progression tranquillement. Alors ici, donc là, on va redescendre.
Alors, je regarde juste où j'en suis au niveau du stream. Alors, on va remonter. Donc, ici, pareil, la gargouille qui arrive du coup dans votre dos. Donc la gargouille est un ennemi assez emblématique de la série des Dark Souls. On en retrouve notamment dans Dark Souls 1. Notamment comme un boss qu'on affronte donc deux gargouilles sur le toit d'un monument. Et on en retrouve également comme un boss dans Demon's Souls, avec deux gargouilles dans la zone de la prison. Donc, qui est le premier boss du monde 3, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, ouais, le monde 3. Ouais. Alors ici, on va pouvoir juste donc visiter les zones qu'on n'avait pas fait. Ici, un ennemi, attention à lui. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Ah, attention là. Je crois que je vais être à un PV. C'est pas mal. Alors là, je crois que la moindre chute m'est fatale. Hein. Alors ici on a un chemin donc par ici à visiter. On a une échelle là, une autre gargouille qui arrive. Voilà. Elle avec un genre de sceptre de feu. Alors, elle se sert de son aile comme d'un bouclier. Et voilà. Donc nous, il va falloir qu'on arrive ici là sur le pont, donc en prenant l'échelle qui descend par là, et traverser le pont, éliminer la gargouille, aller donc dans le bâtiment là-bas. On va pouvoir du coup continuer et on tombera donc sur le boss de la zone, à savoir Yorm. Boss spécifique donc du jeu dans lequel pour le vaincre donc il y a une technique spécifique. Alors attention dans cette zone, je crois que normalement il y a des voilà, vous avez des trous selon par où vous passez.
Alors ici. Alors, un objet ici à récupérer. Des ennemis en bas qu'on a déjà rencontrés, donc dans les bas-fonds de la cité d'Irithyll. Voilà, alors là, un nouveau style de, on va dire, d'état de, ah, j'ai plus le nom, un nouveau style de, comment ça s'appelle, d'état de physique, on va dire, c'est le poison rapide, voilà. Là, ce sont des, voilà, là, c'est du poison rapide, c'est pas simplement de l'empoisonnement. Alors, autant s'en débarrasser, au moins on peut se promener tranquillement. Vous voyez que la jauge, la barre de vie en haut descend de façon drastique, hein, si on ne fait pas trop attention. Voilà, il doit rester un ennemi ici. Alors, l'agent empoisonné qui permet d'imprégner l'arme, donc de dégâts de poison. Alors ici nous avons un nouveau type d'ennemi qui est quand même assez résistant. Moi je les aime pas trop là ces ennemis. Je vous le cache pas. Donc si je peux je les évite. Voilà, je récupère ce dont j'ai besoin. Compte tenu du fait que je suis empoisonné et que ma vie donc descend, j'ai pas nécessairement envie de prendre des risques supplémentaires. Ici, donc j'ai une échelle. Juste là. Alors ici, j'ai un ennemi. Vous voyez les points de vie. Voilà. Et en plus, ils ont tendance à tomber, vous attraper. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi ce type d'ennemi, je suis pas fan. Donc du coup, si je peux les éviter, je les évite. En plus, un mimique, alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Déjà, un ennemi, c'est compliqué. Alors deux ennemis, je vous en parle pas. Et bien entendu, on va faire ça, ça, ça et ça. Alors même pas du coup puisque c'est, voilà, c'est de la toxine. Ah c'est ça, c'est l'empoisonnement rapide, ça s'appelle de la toxine. Et nous retournons au donjon d'Irithyll. Alors au donjon d'Irithyll, sans vie, sans rien. Ici vous pouvez vous laisser tomber normalement et vous pourrez du coup éliminer le géant pour vous venger. Vous récupérez la clé du geôlier. Il va pareil déverrouiller de nouvelles portes dans les donjons. Alors là, on est mignon. Entre les rats, le géant, les ennemis et le peu de vie que j'ai. Alors là, c'est un miracle que je suis encore en vie, je vous le dis. On va monter rapidement. Le rat, il me regarde pas bien là. Un feu, s'il vous plaît. Un feu. Il ne manque pas grand-chose.
fait quand même juste un feu. Ah! J'aime quand mes vœux se réalisent. Voilà, on va aller du coup se venger du géant. Vu le nombre de fois qu'il m'a tué, je pense que c'est la moindre des choses. C'est qu'à son tour, lui aussi, il y passe. Juste pour acquis de conscience. Alors, les maîtres Splinter, on se calme. Voilà. Donc, débarrassez-vous des rats. Ici. Vous allez pouvoir récupérer les objets. Donc, attention. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils viennent en troupeau ou... Voilà, laissez-le faire le travail, à la limite, pour une fois qu'il sert à quelque chose. Aïe! Pas trop aimé le coup de bras là. Il y a cette technique qui est pas mal aussi. Vous tournez autour et vous tapez. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Alors, je crois que le géant, il a plus ou moins bugué. Oula! Ah, les rats, ils sont énervés là. Les ratus. Allez, à mon tour. Parfait! Ah, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Et ici, vous avez un nouveau Mimic. Alors, rien de mieux qu'une zone propre. Ah, ça fait plaisir, hein. Alors, ici, on va pouvoir... Donc, voyager, retourner au sanctuaire pour dépenser les points que l'on a gagnés. Welcome, husband. Very well, then take. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of despair.
Farewell, Ashen One. Ah. Gracious. Let this Ionia. Donc ici, on peut y acheter notamment de nouveaux équipements. On va retrouver la couronne de Volnir, le boss qu'on a éliminé, notamment le chapeau du sage de cristal. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La tenue des veilleurs des abysses, donc la Légion des morts-vivants. Voilà, dans l'ensemble, les nouveaux équipements qu'on peut lui acheter. Ici, on va pouvoir renforcer la fiole d'astuce. On en a même deux. Voilà. Et renforcer, du coup, notre arme en niveau plus 7. Voilà. Et donner... This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? For thee, be careful. Ah, there I am. I'm afraid I can't this. I kiss them. Do not be gone for long. Alors, nous pouvons retourner. Donc à la capitale profanée. Et on va aller affronter du coup Yorm le géant. Alors nous avions dit qu'il fallait passer par ici. Voilà. Ici, on passe sur le pont. De là, nous avons les prêtresses en bas qui nous tirent des flammes. Une gargouille, voilà, qui essaie de vous faire tomber du pont, généralement. Voilà, une grande âme à récupérer. Ici, on peut rentrer dans le monument. Là-bas, nous avons donc des gardiennes, voilà, qui font des dégâts de feu. Ah. Voilà. Ensuite, une gargouille ici à Ymir. Pas d'objet. Oh, radin. Ici. Donc là,
des pièces rouillées. Alors, je regarde où j'en suis par rapport au stream, voir si j'ai le temps de faire Yorm. Allez. Alors, ici. Le mur, toujours le mur, encore le mur. Alors, une braise. Un mimique. Encore un. Vous voyez pourquoi je vous dis faites attention. Vous imaginez si j'avais tapé les deux coffres en même temps, j'aurais eu deux mimiques à affronter. Et là par contre, c'est pas la même. Tourner autour, les éviter, un qui vous met des coups de pied, l'autre qui essaie de vous attraper. Non, là par contre, voilà, au bout d'un moment. Donc là nous on a la gargouille. Alors, on s'en fout. Et on va du coup aller affronter le boss de la zone, à savoir Yorm. Et alors pour le vaincre, il y a une technique particulière. Vous voyez qu'à côté de lui, au fond, il y a un objet qui est l'épée du maître des tempêtes. Ici, donc c'est une nouvelle épée. Ouf. Ah, il fait mal, hein. Alors attention à vous. Alors le but du jeu, c'est si possible d'essayer d'équiper cette fameuse épée. Bon Yorm, tu vas te calmer un peu ou comment ça marche? Alors voilà, on a équipé l'épée. Non, alors pas comme ça. Non plus. Voilà. C'est bon, je l'ai. Voilà, comme ça. Donc il faut que vous chargiez avec
R2, L2. Et quand tu l'attaques, elle est prête, c'est-à-dire comme ça. Alors. Alors maintenant qu'on a équipé l'épée directement, ça va être beaucoup plus simple. Puisqu'il n'y aura plus besoin de la chercher directement dans l'inventaire. Alors là, vous reculez, vous chargez l'attaque, vous reculez à nouveau. Alors attention quand il s'énerve. Et skill. Donc